Du studio A de Télémétropole, les Tanans. Extraordinaire. Vous êtes vraiment extraordinaire. Et donnez un grand coup, vous autres! Savez-vous que grâce à vous, justement, nous avons le plaisir d'avoir sur l'émission l'artiste le plus sympathique, déclaré par vous, cher public, gagnant du trophée Affection Olivier Guimond. Achetez donc! Roger Joubert! C'est la deuxième fois que Dominique me fait la même surprise, oui. Au trophée puis aujourd'hui. Ben oui. Parce que Dominique était la récipiendaire l'an dernier du trophée Affection Olivier Guimond. Alors, elle le remet officiellement pour une année à notre ami Roger. Ah, et comme vous savez, ça a profité à Dominique parce qu'on va l'avoir en spectacle maintenant un peu partout à travers la province. Hein? Québec le 18? Le 19 septembre. En fin de semaine prochaine à la Place Arichet, le 8 et le 9. Ouais. Après ça, je reviens à Montréal. Je vais à Sept-Îles aussi, vers le 14. Et puis le la Place des Arts. Octobre, la Mesdames place et messieurs, la Place des Arts vous présente Dominique Michel. Ouais! Oh! Bon succès, Dominique! Merci. De Monsieur des Arts, juste en face de la place de Monsieur Desjardins. Ah, oui, 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 oui. Soyez assurés d'une chose, Dominique, je vais être dans le banc. En avant. Mm-hmm. Oui. Premier banc, je vais être là. Vous savez que c'est coulé dans le bronze, hein, puis oui, c'est très monsieur. Pesant. Hein? Oui. Vous savez pourquoi ils mettent ça très pesant comme ça? C'est quand les artistes reçoivent un trophée, on dit tout le temps que leur carrière périclite après. Et on prend pas de chance. TV Hebdo a décidé de mettre ça dans le bronze parce qu'ils vendent le bronze à Alive après. Puis Roger, en vendant juste le nez, il n'a pas un mois pour vivre là-dessus. Bien, Marcotte, puis quand ils vont y en donner un, ça va être les oreilles. Avec les oreilles. En Dominique. Je vous dis le mot de cambronne. Je trouve que vous avez un beau décor. Un beau décor, on s'est lancé, oui, hein? Okay. Ben oui, le canal 10, ça y est. Hein? Wow! Merci à Dominique. Bye bye. Le mot de cambronne pour la Place des Arts. Bon, tu l'as vu, là? Mais, tu l'as vu, là? C'est une chose, quoi? Quand ils m'ont donné le trophée, c'est drôle parce qu'il. Monsieur, disons, il coupe ses cheveux, ou bien il laisse ses cheveux comme ça? Ils ont décidé de laisser ses cheveux. Une coupe de cheveux en bronze, ça, il faut le faire. Ça prend des il bons pèse, ciseaux, hein? Je dois vous avouer qu'il pèse pas mal. Fais attention à moi! As-tu passé un bon été? Ah oui, oui. Sa première émission, on était un petit peu. On était un peu poignés, parce qu'avec surtout la réception que vous nous avez. Réservé. Hein. Il va falloir qu'on soit bon, mais. Ah, je comprends. Il faut qu'on soit bon. Jouez-vous pour les expos, vous? Oui. T'es belle. Mon dessous. Catalogue. Tout équipé. Oui. Tout équipé, mur. Mais il y a une chose pour prendre question. Oui. Oui. Vous savez que maintenant, je vais déménager, hein? Oui. Je vais dans le coin de mon petit camarade Pierre. Et moi-même aussi. Oui. Puis hier, je suis allé le conduire, Pierre. Oui. Puis on a regardé. Tu l'as pas, t'as dit que tu le dirais pas. Vous étiez sous comme d'habitude. Pardon? Hein? On était à jeun, madame. Oh, ça complètement que... à jeun. Hey, à voir ce qu'on a vu, ma fille, on était à jeun. Oui, monsieur. Oui, on est passé devant chez vous. C'est qui le gars que tu étais en train d'embrasser au moment où on est passé devant moi? Chez vous? Hein? Hein? Ah, c'est donc, qui donc, ce gars-là? Hein? Ça donc. Dépend en quelle heure vous êtes passé. Hein? Au revoir. Au revoir. Est-ce que vous savez. Est-ce que vous savez pourquoi Adam appelait ça le paradis terrestre? Parce que c'était plein de pommes. Non. Non, c'est parce qu'il n'y avait pas de belle-mère. Oh boy!
Mais moi, j'ai rien à vous conter. J'étais en campagne comme ça. Un moment donné, je remarque dans le champ, il y avait une grenouille qui se promenait. Une grenouille avec une grande gueule, vous savez? Quoi? Qu'est-ce que ça fait, une grenouille à grande gueule? Ça parle! Une grenouille avec une grande gueule! Là, la grenouille, elle sautait, puis elle passe à côté d'un bœuf. Elle dit: bonjour, monsieur le bœuf. Qu'est-ce que vous mangez, vous? Je mange de l'herbe. La grenouille, elle continue à côté des moutons. Bonjour, monsieur le mouton. Qu'est-ce que vous mangez, vous, monsieur le mouton? Mais je mange de l'herbe. Et quoi, arrive à côté du service? Elle rencontre un crocodile. Oh. Bonjour, monsieur le crocodile. Qu'est-ce que vous mangez, vous? Le crocodile répond: moi, je mange des grenouilles avec des grandes gueules. Elle dit: il n'y en a pas beaucoup dans le bout, hein? Oh!